coup, il y a un homme qui va traverser tout le terrain dans la largeur et dans la profondeur. C'est l'arrière gauche, Pierre Boubi, qui va venir. C'est sans doute un premier danger pour Jérémy Sopalski, qui joue seulement son quatrième match titulaire cette saison. Lui qui a eu 30 ans hier, tiens, tout frais trentenaire. Boubi, ouais, ballon bien travaillé, les deux points pour Sopalski. Sorlin qui va réécarter, Boubi qui fait l'effort, mais trop court pour éviter la touche. Ouais, mais comme ça, c'est un résultat de l'AS Monaco, son ancien club. J'ai oublié, messieurs, de vous dire que le coach local est malade, il est enrhumé, ce qui est assez rare, m'a-t-il confié. Daniel Sanchez qui a pris froid, comme son équipe, tout simplement, ces derniers temps. Je vois pas comment ils peuvent prendre froid, je vous dirai pourquoi. Oh, Sorlin qui a glissé. Couffrant en faveur des Tourangeaux, mais couffrant loin derrière avec Francis Nganga. Et à la tombée, ce sera Cambon ou Blayac, si ce n'est que les deux ont raté le ballon. Pouille, ouais, avec une bonne arrivée de Nganga, le contre. Et Sorlin qui a vu juste avec Boubi dans son dos. On va le retrouver, Olivier Sorlin. Avec Farina et Pouille qui ont permuté, mais on les voit pas assez. Pas suffisamment pour que Evian puisse avoir tentative de déstabilisation, de renversement avec Oumar Pouille. Ouais, petite faute sur Pouille. Et monsieur Lavis qui décidément. Ouais, d'ailleurs, j'incite tout le monde à observer les gardiens de but quand il y a des tirs au but ou des pénalties. Il n'y a jamais un gardien qui a les deux pieds sur la ligne de but. Or, avant que le pénalty soit tiré ou le tir au but, le gardien doit toujours être sur la ligne. Il ne peut pas être dans son but. Vous avez vu l'endroit l'autre jour qui sort du terrain en étant dans son but. Et Bernard Cazoni ne décolère pas. Pour l'instant, il garde ça pour ses adjoints. C'est pas plus mal comme ça. Onyangé avec un ballon. Non, qui est donné dans le dos de Song. Je vois pas l'intérêt. Après, ce sera rendez-vous l'année prochaine. Ou pas. Selon la trajectoire des deux clubs, des joueurs. Allez, la remontée de Francis Ganga. Et il y aura encore un ballon à jouer par les Tourangeaux. Et en Ligue 2, bien sûr. 37 points, si Evian Tonon-Gaillard en reste là. Donc là, ça continue entre Jérémy Blayac et Guillaume Ripert. Est-ce qu'il y a vraiment eu contact? Allez François, faites-nous plaisir, on va revoir ça. En tous les cas, il semble se plaindre, l'attaquant. 37 points, c'est quoi? 6 points du maintien. On revoit. Oui, non, là, c'est non, dans... non, là, il n'y a rien du tout. Non, non. Jet. Il va la prendre, Diego, ouais. Oh, Diego, oh, et la lucarne avec ce ballon juste effleuré par Berthe.